BFM TV, l'après-info. Karine de Ménonville, Benjamin Dubois. 14h sur BFM TV, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans l'après-info, à la une de l'actualité. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un adolescent de 15 ans touché par balle à la tête. Son pronostic vital est engagé. Les deux auteurs présumés sont en fuite. Nous serons sur place dans un instant avec Benoît Ruiz. Regain de tension en Nouvelle-Calédonie avec cet incendie dans le quartier de Caméré. Une trentaine d'habitants ont dû être évacués par voie maritime par le GIGN. Pour plus de 500 touristes, en revanche, les évacuations ont enfin commencé. Les détails dans ce journal. Le ministre de la Santé veut l'interdire au plus vite. Le Sniffy, une poudre blanche qui s'inhale par le nez, elle est vendue depuis quelques jours sur Internet et dans certains bureaux de tabac. Produit qui déclenche de vives réactions à cause de sa similitude avec la cocaïne. Les manifestations d'enseignants contre le choc des savoirs promis par le gouvernement. Les manifestants défilent cet après-midi entre la Sorbonne et Bastille pour dénoncer notamment la mise en place de groupes de niveau au collège dès la rentrée prochaine. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Benoît Ruiz, on vous retrouve sur place. Benoît, le jeune homme a été touché par balle à la tête. Son pronostic vital est engagé. Les deux auteurs présumés, eux, sont en fuite. Exactement, activement recherché par tous les services de police. Ils ont utilisé un scooter qui se trouve ici, entièrement calciné, aux alentours de 22h. Ces deux hommes sont arrivés devant le quartier des Fleurs à Grasse et ils ont tiré plusieurs fois en direction d'un adolescent de 15 ans. Ils l'ont touché une fois à la tête, dans le visage, du 9 mm. Évidemment, dans le quartier, c'est une grande émotion. On a pu notamment voir le père de la victime qui était, vous l'imaginez, dans un état de crise avancée. Il a d'ailleurs souhaité mettre fin à ses jours. Il a fallu que les policiers interviennent. Bref, une scène tragique. Alors forcément, on a demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient. Je vous propose d'écouter Mohamed. Il était sur place hier soir. Il est au micro de Christopher Lhomme. Non, je vis par terre. Je n'ai pas vu comment tirer. Je ne dis pas les choses, je n'ai pas vu. Par terre. Et il y a du sang à côté de la tête, ici, tout. C'est pas bon, ouais. Tu vois ça, t'imagines ton fils ou quelqu'un. Hein. S'il est jeune maintenant, c'est pas bien ça, qu'est-ce qu'il fait. Hein. S'il y a quelque chose, normalement il parle, pas avec les pistolets. Hein. Ça vous inquiète, cette violence? Oui, j'ai peur pour mes enfants aussi. Hein. Bon, mes enfants, bien, ils sortent pas, ils font pas des choses, mais je m'inquiète un peu aussi. Hein. J'ai mal au cœur, hein, la vérité. Les habitants, jamais un tel niveau de violence n'avait été atteint au quartier des Fleurs. Quartier qui a des problèmes, hein, il faut le dire. Problèmes de trafic de drogue, incivilité, enfin tout ce qu'on peut un peu retrouver malheureusement dans certains quartiers en France. Et donc hier, voilà, cette tentative de meurtre sur un adolescent qui semble avoir encore franchi un palier dans la violence. Ici, à Grasse, dans une ville finalement moyenne, donc voilà, qui n'est pas épargnée aujourd'hui par cette violence. Merci Benoît Ruiz avec Christopher Lhomme depuis Grasse pour BFM TV. Bonjour Bruno Bartosetti, vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police. Alors on le voit avec notre reporter, hein, ce secteur de Grasse, il est connu, il est gangréné par le trafic de stupéfiants. Ça dure depuis longtemps ? Oui, ça dure depuis de très très nombreuses années. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on avait démantelé un réseau de stupéfiants dans ce quartier, et vous voyez que voilà, c'est revenu. Ça démontre surtout que quand on parle de tirs, de règlement de compte, de victimes, on parle souvent de Marseille, on parle beaucoup d'Avignon et de Nîmes, mais on sent et on sait, ça a été résumé dans le reportage, qu'aucune ville n'est épargnée. Alors on parle aujourd'hui de ce quartier qui est sensible, même s'il n'y a pas la violence qu'on connaît dans Marseille, eh bien on parle de ce quartier, mais en fait, comme beaucoup de quartiers de grandes et moyennes villes d'importance, on a des trafics de stupéfiants. Pour ce jeune, l'enquête va déterminer les raisons pour lesquelles il a été ciblé. Est-ce qu'il n'a pas honoré une dette? Est-ce qu'il est sorti de certaines règles de ce milieu? Bon, l'enquête va pouvoir le déterminer. Et ce qui est à retenir également, si vous le permettez, c'est que voilà, on a ciblé cette personne, ce jeune homme de 15 ans qui est entre la vie et la mort, mais il y a eu des tirs également qui auraient pu toucher d'autres personnes, des victimes innocentes, collatérales. Et voilà où on en est aujourd'hui. Tout le monde est dans la terreur, dans la frayeur, à partir du moment où il y a un trafic de stupéfiants dans le quartier.
Grasse, c'est une ville de 50 000 habitants, une ville moyenne, c'est-à-dire que donc, les villes moyennes aussi sont touchées par cette violence. Comment vous expliquez cette violence à Grasse ? J'explique d'abord les réseaux de stupéfiants. Si vous me prenez une ville de 50 000 habitants au hasard dans la zone sud, je vous confirmerai qu'il y a du trafic de stupéfiants. Aucune ville n'est épargnée. Après, lorsqu'on parle de violence, aujourd'hui c'est à Grasse, demain on peut retrouver ceci. Vous savez, vous allez dans le Vaucluse, vous avez une ville comme Cavaillon, c'est encore plus petit, et il y a eu des règlements de compte. Vous allez une petite ville de Bagnols-sur-Cèze entre Avignon et Nîmes, c'est très très sensible, il y a 18 000 habitants. Voilà, donc je peux vous prendre beaucoup d'exemples comme ça. Grasse, là, fait parler d'elle, enfin cette ville fait parler d'elle parce qu'il y a un règlement de compte, parce qu'un jeune de 15 ans s'est fait tuer, mais ça peut arriver ce soir, demain, n'importe où dans la zone sud et d'autres zones, bien sûr, de la France, parce que c'est la France qui est malade, hein, c'est pas que la zone sud. Il y a deux constats à Grasse, donc il y a ce trafic de drogue et puis il y a cette violence entre jeunes avec la mort donc de cet adolescent de 15 ans. Est-ce que vous constatez également une délinquance des mineurs de plus en plus présente ? Ah oui, oui, vous savez, dans le milieu mafieux des années 80, lorsqu'on parlait de parrain de la drogue ou de lieutenant de la drogue, on disait l'espérance de vie de mafieux, c'est 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, la moyenne, c'est 27 ans. Et donc, dans cette moyenne, vous avez des jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont touchés. Et quand on a un jeune de 15 ans qui meurt comme ça, entre la vie et la mort, comme ça, dans une tentative de règlement de compte, eh bien, on peut imaginer que ce garçon a commencé certainement à guetter, à travailler pour ses réseaux à l'âge de 12 ou 13 ans. Et puis, vous savez, nous sommes dans un étau. Quand je parle d'étau, c'est que ce jeune de 15 ans est peut-être aussi victime, quelque part, entre guillemets, de ce qui se passe, c'est-à-dire ils sont pris de parfois de force, comme dans les réseaux de stupéfiants, de prostitution, pardon. Et donc, vous avez le même schéma. Et ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus vulnérables. Et dès qu'ils dérangent, dès qu'ils ne sont pas dans les clous, entre guillemets, eh bien, on leur tire dessus, on les élimine, on les écarte du marché parce qu'il y en a d'autres qui sont derrière et qui vont pouvoir faire l'affaire, on va dire. Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. L'attention ne retombe pas ce samedi en Nouvelle-Calédonie. Hier, un homme de 48 ans a trouvé la mort sur un barrage portant à 7 le nombre de victimes des émeutes. Et 35 personnes ont par ailleurs dû être évacuées par la mer après l'incendie d'une maison de leur quartier. Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et Domiti Berthaud. Une nuit de l'horreur pour ces habitants du nord de Caméré, au nord justement de Ducos, dans les quartiers sensibles. Une maison qui a pris feu, une résidence qui a pris feu et la trentaine d'habitants, dont 11 mineurs, eh bien, ont dû être évacués, sauf qu'on est en couvre-feu avec des barrages un peu partout. Ils ont été exfiltrés effectivement par la mer, par voie maritime, aidés dans un second temps, ils ont d'abord dû s'organiser tout seuls, et puis aidés dans un second temps par le GIGN qui les a exfiltrés par voie maritime avant de les mettre en sécurité, notamment pour certains qui ont pu être pris en charge dans un lycée. Et c'est vrai que c'est un peu la tension générale ici, des nuits avec un peu moins d'incidents, un peu moins de violence qu'au début des émeutes, mais toujours énormément de tensions. Et coincé en raison des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les premiers Français de métropole ont enfin pu commencer à décoller ce samedi à bord d'appareils militaires. Guillaume Lavial, Clémence Dibou et Domiti Berthaud. Ce matin, le rendez-vous a été donné à l'aérodrome du centre-ville de Nouméa. Sous la surveillance de l'armée, ces touristes, bloqués depuis le début des tensions, bénéficient d'un pont aérien en direction de l'aéroport international de la Tontouta. Jacques et Marie-Noël étaient venus rendre visite à leur fille et leurs petits-enfants. Le Haut Commissariat a organisé des rapatriements, donc voilà, on est sur les listes et c'est une bonne chose. Les vols commerciaux étant toujours suspendus, ces touristes français, mais aussi étrangers, pourront rallier l'Australie ou la Nouvelle-Zélande à bord d'avions militaires néo-zélandais ou australiens comme celui-ci. Mais malgré ce départ espéré, difficile de ne pas rester inquiet pour leurs proches. Effectivement, les laisser et nous partir, je ne vais pas vous dire que je suis heureuse de les laisser. Non, ça sûrement pas. Car même si la nuit dernière a été globalement plus calme, certaines zones ont été particulièrement visées par les émeutiers. C'est le cas du quartier Caméré au nord-ouest de Nouméa, où des maisons ont été incendiées. Le GIGN a dû intervenir et évacuer 35 habitants, dont 7 enfants. Donc ils ont dû être exfiltrés, laisser leur maison. Ce sont des familles, ce sont des couples avec des enfants. Et ils ont été escortés jusqu'à la mer, où là, on a pu effectivement les embarquer.
Aujourd'hui, les gendarmes étaient encore en intervention à Caméré pour faire face aux émeutiers. Dans l'actualité, on vous parle aussi de Sniffy. Sniffy, c'est cette poudre blanche qui s'inhale par le nez, promettant un effet énergisant, qui est vendue depuis quelques jours sur Internet et dans certains bureaux de tabac. Une poudre qui a le même aspect, la même méthode d'inhalation que la cocaïne, ce qui fait polémique. Les explications de Julie Reuser et Hortense Gérard. Dans la rue, peu de gens connaissent le Sniffy. Ça m'inspire des trucs pas nets. C'est-à-dire ? La cocaïne. De me dire que c'est à la vente libre, c'est assez choquant, oui. Ça ressemble un peu à ce que tu mets dans des boissons énergisantes. Ouais, ça me choque, en vrai. Mis sur le marché français la semaine dernière, ce produit est pourtant déjà pris d'assaut chez les premiers revendeurs. Dans ce magasin de CBD, le stock s'est épuisé très rapidement. Dévalisé de ces trois derniers jours. Je pense que c'est pareil partout. Okay. Mon collègue est pareil dans une boutique, elle a été dévalisée aussi. Cette poudre énergisante contient de la taurine, de la créatine ou encore de la caféine. Rien de nocif a priori, mais c'est la méthode de consommation qui choque, tant elle rappelle celle de la cocaïne. Ce commerçant a décidé de ne pas mettre ce produit en avant. On verra de la cocaïne, la paillette offerte, c'est une prise par le nez, j'ai une assimilation qui est très bizarre, et surtout les goûts qu'il y a, enfin voilà, c'est pour attirer les enfants, j'ai l'impression. Pour le docteur Basset, spécialiste en addiction, ce produit devrait être interdit à la vente, tout comme les cigarettes en chocolat. Ce qui est scandaleux, c'est de promouvoir un univers de consommation de cocaïne de manière indirecte et de surfer sur ça à des raisons commerciales. Interdit aux moins de 18 ans, le fabricant déconseille ce produit aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques. Le gramme de poudre coûte environ 15 euros. Et voici ce qu'en pense le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Il pense que Sniffy, c'est une cochonnerie, je le cite, il souhaite l'interdire. J'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention, et je mets des gros guillemets, bien sûr, cette cochonnerie que certains veulent vendre. Je vais voir, effectivement, dans les prochains jours, comment on peut interdire ce type de choses. Vous voulez l'interdire, en tout cas, parce que certains professionnels de santé appellent à l'interdire dès ce week-end. Il faut l'interdire dès qu'on peut. Je vais regarder ça très vite avec les services, dès ce week-end, et dès qu'on peut, je vous promets que je serai là-dessus intraitable. Et on en parle avec notre invité Amine Benyamina. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes addictologue et présidente de la Fédération française d'addictologie. Le Sniffy fait polémique par son mode d'administration qui rappelle la cocaïne. Est-ce que c'est une incitation à consommer de la cocaïne ? D'une certaine manière, oui. Parfaitement, ce n'est pas le fait du hasard si cet industriel a utilisé ce mode de présentation. Il aurait pu parfaitement vendre, entre guillemets, un produit énergisant comme le font la concurrence, sous forme de liquide ou, je ne sais, sous forme de tablette ou tout ce que l'on peut. Le fait de le présenter sous forme de poudre avec une paille n'est pas le fait du hasard. Il le sait parfaitement. Disons qu'au pire, il aura une polémique, une publicité que nous sommes en train de lui faire, et au mieux, une curiosité avec un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes dupes qui vont essayer de consommer en ayant le sentiment d'être dans la transgression avec un produit qui n'est pas interdit. On est vraiment dans quelque chose d'absolument cynique et dangereux sur la symbolique qui est véhiculée. Vous le dites, c'est sur la symbolique que ça dérange, hein, par ce mode d'administration, parce que ce produit, vous nous le confirmez, il n'est pas toxique. Alors on a entendu, il contient de l'arginine, de la créatinine, de la caféine, de la taurine, de la maltodextrine. Tout ça, c'est inoffensif ? Alors, ce n'est pas inoffensif. Et je ne l'ai pas analysé. Et ce n'est pas un produit qui est passé par le filtre que par exemple, passent les médicaments. Il n'y a pas d'agence qui a certifié. Et c'est d'autant plus gênant que, de ce que j'ai lu, hein, vous l'avez bien montré dans votre document, il est spécifié de ne pas dépasser, en gros, une dose qui est d'une certaine manière prescrite. C'est d'autant plus dangereux que d'avoir ce type de produit qui est à la vente libre et pour lequel on a ce type d'information. On est vraiment dans quelque chose qui est triplement grave, d'ailleurs. Sur la symbolique, sur le contenu, parce que les produits énergisants, on en a dit beaucoup, ils ont fini par s'imposer dans le commerce, et en même temps, ce type de produit qui mime d'une certaine manière l'environnement d'un produit, ce n'est pas de l'alcool et du tabac qui sont encadrés, ce sont des produits interdits, illégaux. La cocaïne est illégale, parce que c'est la symbolique de la cocaïne qui est vendue là-dedans. Et si on laisse passer ce type de produit, on ouvre la porte à un commerce opportuniste à la veille des Jeux Olympiques, dont on sait que se prépareront autant les trafiquants que les sportifs. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Allez, professeur, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, veut interdire ce produit. Il faut interdire le Sniffy. Je l'ai dit sur votre plateau hier. J'ai dit, je voudrais et j'appelle
solennellement en tant que président de la Fédération française d'addictologie les autorités compétentes à interdire dès ce week-end ce produit. Il ne faut pas laisser s'installer un débat qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens. On m'a opposé une certaine forme de morale. Écoutez, non, la science analyse à la fois le contenu addictif ou le contenu appétitif des produits, mais aussi, aussi sur le plan psychologique, il y a un environnement qui fait qu'on projette un aspect positif lorsqu'on a ce type de dispositif. Ce n'est pas de la morale, c'est de la science. Et si ça reste de la morale dans l'esprit des uns et des autres, eh bien, écoutez, j'assume que parfois la science a besoin de morale pour pouvoir bien frapper les esprits en matière de santé publique. Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina, addictologue et président de la Fédération française d'addictologie, de nous avoir dit plus sur ce nouveau produit Sniffy. Dans l'actualité également, environ 500 personnes ont rendu un dernier hommage à Arnaud Garcia, l'un des agents pénitentiaires qui a été tué dans l'attaque du fourgon du 14 mai dernier. Dans l'heure, ses obsèques ont eu lieu ce matin dans son village de Blangy-le-Château, dans le Calvados. Le maire de la commune lui a rendu notamment un hommage. Deux familles dévastées. Des épouses abandonnées, des parents qui vivent l'insoutenable. Nous sommes tous anéantis par ce drame. Notre foi en la justice est mise à l'épreuve. Comment la vie, qui sait nous combler de bonheur, peut nous enlever notre Arnaud ? C'est intolérable de savoir nos hommes engagés pour la paix, vulnérables face au mal. C'est insoutenable de réaliser que le bonheur ne tient qu'à un fil. Qu'en trois minutes, tout peut basculer et vous ôter un être cher. Dans l'actualité également de ce samedi, la réforme du collège avec cette nouvelle mobilisation ce samedi en France contre le choc des savoirs à l'appel de 8 syndicats d'enseignants. À Paris, le cortège va de la Sorbonne à Bastille. Ils s'opposent à cette réforme qui prévoit notamment l'instauration de groupes de niveau en français et en mathématiques. Le point avec Osema Kémissi, Véronique Fèvre et Louis Gagnepin. À la rentrée prochaine, les collégiens de 6e et de 5e expérimenteront les groupes de niveau. Trois groupes mis en place lors des cours de français et de mathématiques. Une mesure dénoncée par les syndicats enseignants. Nos inquiétudes, c'est l'absence de moyens suffisants pour pouvoir les mettre en place. Elle est sur l'idéologie elle-même des groupes tels que l'a voulu Gabriel Attal, c'est-à-dire de séparer les bons et les mauvais, alors qu'on a à gagner justement de la diversité, de la richesse, de leurs compétences et de leur intelligence à tous. L'objectif affiché du gouvernement, aider à la réussite des élèves. Mais certains syndicats jugent cette mesure inefficace en plus d'être illégale. Le code de l'éducation précise que ce sont les collègues au conseil d'administration qui décident de l'organisation en groupe, en classe, dans le collège. Et l'arrêté contrevient à cette partie du code de l'éducation en imposant un fonctionnement en groupe avec un nombre de semaines et avec un certain nombre de catégories d'élèves, puisqu'elle parle d'élèves en difficulté. Les syndicats appellent à manifester aujourd'hui. L'occasion pour eux d'alerter sur la situation plus globale de l'éducation nationale. On est en train d'amenuiser le service public d'éducation, de lui retirer des moyens. Les collègues nous le disent, il y a une forme de rupture, il y a une crise de sens des métiers, il y a une crise profonde de l'éducation. Pour accompagner les groupes de niveau, plus de 500 postes seront créés à la rentrée prochaine. Un mot de sport à présent avec cette journée de toutes les finales, notamment la finale de la Coupe de France ce soir, Olympique Lyonnais PSG à 21h au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq près de Lille. On retrouve sur place Jean Rességuier. Jean, un match classé à haut risque et qui sera aussi le dernier sous les couleurs du PSG pour Kylian Mbappé. Oui, c'est la fin d'une histoire. Une histoire qui aura duré 7 ans entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Arrivé tout jeune de Monaco, il a tout simplement participé à l'écriture de l'histoire de ce club avec 15 titres remportés sur ces 7 dernières années et peut-être un 16e ce soir personnellement en cas de victoire face à Lyon. Ici, vous l'avez dit, à Lille pour la finale de la Coupe de France. C'est quelqu'un qui aura participé à près de 400 matchs avec Paris, 397 pour être précis, avant la finale de ce soir, 256 buts, 108 passes décisives, autant vous dire qu'il aura compté dans l'histoire des performances du Paris Saint-Germain. Mais cette dernière saison aura été aussi compliquée, on se rappelle l'été dernier où il avait été mis à l'écart parce qu'il n'avait pas voulu prolonger, et puis en février dernier quand il a annoncé son départ aux dirigeants à la fin de la saison, il a été moins considéré par son entraîneur, ce qui explique un petit peu aussi la position des supporters assez partagée
par rapport à Kylian Mbappé. La volonté en tout cas de le voir ce soir, pourquoi pas, avec le capitaine Marquinhos, soulever le trophée, une façon de quitter la tête haute, le club parisien, lui qui n'a plus disputé la moindre des rencontres depuis maintenant 180 minutes, puisqu'il avait été mis de côté, comme Dembélé, lors des deux dernières rencontres du championnat de Ligue 1. Dans quel état d'esprit sera-t-il? Dans quelle fraîcheur physique sera-t-il également ce soir pour aborder cette rencontre? En tout cas, à l'approche du rassemblement de l'équipe de France, il est évident que pour Kylian Mbappé, cette finale est importante dans une compétition où il a toujours brillé. 37 matchs, 30 buts marqués. Kylian Mbappé, très certainement ce soir, aura envie, aura à cœur de soulever ce trophée pour faire plaisir aux supporters parisiens et pour aussi quitter tout simplement la France la tête haute. Merci beaucoup Jeannot Rességui avec Valentin Jamin à Lille pour BFM TV avant ce match donc OL PSG, le dernier de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Restez avec nous dans un instant, on va repartir en Nouvelle-Calédonie avec ce regain de tension sur place. Il y a également les premières évacuations Français, les premiers Français de métropole qui ont pu commencer à décoller ce samedi à bord d'appareils militaires. On va y revenir dans notre prochain journal. À tout de suite. Le 9 juin, les Français ont rendez-vous avec l'Europe. Et les enjeux du scrutin sont immenses. Le pouvoir d'achat, que peut faire l'Europe? Est-elle impuissante? La guerre à nos portes, en Ukraine et à Gaza. L'écologie, après la crise agricole, l'Europe est-elle trop verte? Et le sujet le plus brûlant, le plus clivant, l'immigration. Lundi, sur BFM TV, ils seront 8 pour en débattre, sans langue de bois. Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Léon Desfontaines, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayé, Marion Maréchal, Marie Toussaint, 8 candidats pour dire leur vision de la France dans l'Europe, autour d'Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Parce que l'Europe est au cœur de la vie des Français. Lundi, le débat des Européennes à 20h30 sur BFM TV. Amazon offre jusqu'à 8000 euros pour la formation professionnelle. Vous pouvez ainsi acquérir de nouvelles compétences et développer votre carrière. Une solution durable est toujours meilleure qu'une solution temporaire, surtout pour les dents sensibles. Nos experts Signal professionnels ont développé une technologie vraiment efficace. Elle aide à restaurer les zones sensibles avec le même minéral dont elles sont naturellement constituées et à soulager durablement. Signal professionnel, notre dentifrice le plus efficace sur la sensibilité. Le miracle de la vie, la nature, dans toute sa splendeur. Passez devant tout le monde, c'est la vie. En ce moment, profitez de 9 mois offerts. Bip and Go, roulez l'esprit libre. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Le 23. 24. Bingo! Et pour demain, les exercices 49, 52, 54 de la page 109. Le numéro 31. Plus les exercices 12 et 17 de la page 302. Il vous manque le formulaire 1268. Le formulaire 1268. Ah, et le 218 de la 204 également. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Renault Austral E-Tech Full Hybrid, à partir de 380 euros par mois.
En ce moment, 2 mois de loyer offerts. Venez découvrir la gamme BMW 100% électrique et profitez de la BMW iX1 M Sport à 490€ par mois. Jetez moins, gagnez plus, vivez mieux. Poursuivez le mouvement avec Vinted. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Avec AGP, vous êtes assuré et associé. AGP, AGIP.com. Appel à candidature, Laure Closier. La BFM Academy revient. Vous êtes entrepreneur, vous croyez en votre projet, vous postulez sur bfmacademy.fr, vous venez pitcher en région et vous avez 150 000 euros d'espace publicitaire à gagner à la clé. On compte sur vous. Jusqu'au 16 juin, déposez votre candidature pour la nouvelle saison de la BFM Academy sur bfmacademy.fr. Découvrez Hydrovac, la nouveauté char qui lave et aspire en même temps. Et vient à bout de toutes les saletés du quotidien. Les sèches, les liquides, les perks. Reste en propre grâce à sa brosse rotative auto-nettoyante et antimicrobienne et à sa solution de neutralisation des odeurs. Shark Hydrovac nettoie et aspire tout sur son passage. Il se vide facilement, s'auto-nettoie et reste prêt à l'action. Shark Hydrovac, inarrêtable pour un nettoyage impeccable. Soyez peinard. Soyez pénible. Maman, t'es où là? C'est hyper important. Qu'est-ce que je suis en PLS là? Grave. Soyez sur la même longueur d'onde. Fumé. Trop le seum. De ouf. Mais c'est claqué au sol votre truc. Ou pas. Captez partout dans la maison avec la fibre de SFR jusqu'à 8 gigas et 2 répéteurs Wi-Fi inclus. SFR, soyez vous. Avec Catlante, Méditerranée, Antilles, Seychelles, du soleil toute l'année avec le leader des croisières en catamaran tout inclus. Quelle que soit la météo, ce sera avec le magret de canard. Le magret de canard, facile à faire, facile à plaire. Rêvez de votre prochaine destination en regardant la météo avec Samsonite Proxys, légère et résistante. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? Voici la météo avec Indeed. Indeed, pour trouver l'emploi que vous méritez. Bonjour à tous. C'est vrai, le soleil aura été assez discret ce mois-ci. À Paris, un déficit d'ensoleillement de l'ordre de 30%, vous l'avez constaté. Là, ce samedi, il tente de se rattraper. On dépasse les 20 degrés dans une ambiance printanière sur une bonne partie du pays. C'est probablement la plus belle journée de la série. Il faut bien profiter de cette séance de luminothérapie. Déjà, oui, un nouveau front est en train d'accoster sur la Bretagne, notamment avec des pluies assez régulières, parfois soutenues en descendant vers la Vendée. Quelques ondées sur la Gironde. Ce front avance un peu plus rapidement que prévu, mais la chaleur résiste encore sur une bonne partie de nos régions. 27 degrés, notamment dans le Pays Basque. 22 à Paris pour cet après-midi, même température à Strasbourg. 26 degrés, notamment pour Ajaccio. Le front va donc circuler dans le nord-ouest. Pendant la nuit, on va le retrouver ce dimanche, en matinée, principalement du nord de la Seine, en descendant vers l'Aquitaine. Quelques ondées seulement. Dans un premier temps, le temps sera de plus en plus lourd à l'avant, avant l'arrivée d'orages assez marqués. Encore en seconde partie de journée, principalement du Massif central jusqu'au Grand Est du pays. Vous voyez que le soleil va bien résister des Alpes jusqu'à la Méditerranée. À l'arrière, on aura des éclaircies, mais aussi quelques coups de tonnerre de la Bretagne en remontant vers la Belgique. Voyons les températures. Le matin, déjà 16
13 degrés à Paris, une quinzaine de degrés sur les bords de la Garonne. Et dans l'après-midi, la chaleur va se réfugier à l'est jusqu'à 27, voire 28 degrés dans les vallées alpines. Dans le même temps, seulement 16 degrés à Brest et 19 degrés dans le Pays Basque. Oui, ça va baisser dans le sud-ouest. C'était la météo avec Catland, leader des croisières en catamaran tout inclus. Choisissez vos vacances sur catland.com. C'était la météo avec le magret de canard. Le magret de canard, facile à faire, facile à plaire. C'était la météo avec Samsonite Proxis. Légère et résistante. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? C'était la météo avec Indeed. Indeed, changeons le monde du travail. 14h30, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans l'après-info à la une de l'actualité, la tension reste palpable en Nouvelle-Calédonie. 35 habitants du quartier de Caméré ont été exfiltrés par le GIGN dans la nuit après l'incendie d'un bâtiment. Dans le même temps, les premières évacuations de touristes ont enfin démarré. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort à Grasse. Il a été blessé par balle à la tête hier soir. Son pronostic vital est engagé. Les deux auteurs présumés, eux, sont en fuite. L'été approche, mais attention si vous êtes tenté par la baignade en Bretagne. Une association alerte, 20% des plages devraient être déconseillées à cause de la pollution. Mais ces critères sont plus stricts que ceux des autorités sanitaires. À la une de l'actualité, donc ce regain de tension en Nouvelle-Calédonie avec cet incendie dans le quartier de Caméré. Cette nuit, 35 habitants ont dû être exfiltrés d'abord par leurs propres moyens, puis à l'aide du GIGN par voie maritime. Une maison du quartier a été visée par des émeutiers. Et enfin, il y a les premières évacuations. Alors que l'aéroport international reste fermé depuis le 14 mai, plus de 500 touristes, notamment français, ont finalement pu être évacués via un autre aérodrome. Des ponts aériens ont pu être mis en place par l'armée. Une opération attendue depuis un bon moment. Clémence Dibou. C'était au milieu d'après-midi pour nous ici, puisque nous avons 9 heures d'avance, les premiers touristes français qui ont pu partir de Nouméa. On a par exemple rencontré Jacques et Marie-Noël. Eux, ça fait 10 jours qu'ils sont coincés chez leur fille. Ils commençaient à trouver le temps long. Ils ont pu enfin décoller cet après-midi. Écoutez, c'est Domiti Berthaud qui a recueilli leur témoignage. On a été surpris la dernière semaine par les événements. Hein. Voilà. On devait rentrer, on n'a pas pu rentrer, donc on a vécu tous les événements. Bon, c'est assez dur quand même. Hein, voilà. Surtout que la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est un pays magnifique, et donc c'est vraiment dommage de le retrouver dans cet état-là. J'espère en tous les cas que le gouvernement français va faire ce qu'il faut pour que la situation se rétablisse et que la paix revienne ici. Voilà. Maintenant, effectivement, les laisser et nous partir, je vais pas vous dire que je suis heureuse de les laisser. Non, ça sûrement pas. Et pourquoi ça prend toujours autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que je vous rappelle que l'aéroport international La Tontuta est toujours fermé. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est d'abord l'armée néo-zélandaise et l'armée australienne qui ont mis des ponts aériens en place, puisque c'est à environ 2h30, 3h de vol. Une fois que ces ponts aériens ont été mis en place depuis l'aérodrome du centre-ville, a pu se faire la prise en charge des touristes français qui sont exfiltrés donc vers, pour ceux qui le veulent, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande. Et de là, ils peuvent prendre un vol commercial pour enfin rentrer en France. Et dans cette crise, les jeunes Kanaks dénoncent des violences à la fois de la police, mais aussi de la part de milices civiles, comme lors de ce double meurtre qui a eu lieu à Ducos le 15 mai, qui concerne deux personnes qui étaient en train de voler une voiture. Clémence Dibou et Domiti Berthaud ont rencontré un témoin sur place pour comprendre ce qu'il s'est passé. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles. Du meurtre de ses deux voisins, cet habitant dit avoir tout vu. Il accepte de nous raconter en anonyme. Bon, allez, on fait vite, là. Car il craint les contrôles permanents des forces de l'ordre. Mais en cas où c'est les flics qui... Alors, on dirait que c'est eux, là. Alors, c'est bon, venez. Le mec, il a tiré sur le conducteur. Et puis la fille, elle a couru jusqu'à là-bas. Le 15 mai, en pleine émeute. Un trentenaire et sa cousine de 17 ans sont abattus ici par un homme armé. Une vidéo choquante sur les réseaux montre un homme tué dans une voiture et le corps d'une femme touchée à la tête. Ces photos, c'est notre témoin qui les a prises pour que justice soit faite, dit-il. Voilà la banderole là-haut, tuée par la milice une semaine déjà. Kanaki libre, Macron dehors. C'est le sentiment général ici. Voilà, c'est le sentiment général, non, on ne veut plus de l'État français ici.
Rien ne justifie de tirer sur des jeunes désarmés, même délinquants, pour ce proche. Ils avaient volé une voiture. Ils sont sortis avec du quartier, puis c'était pour aller mettre le feu pour faire les barrages. Parce qu'il n'allait pas les tuer, il aurait pu juste les blesser. Et là, il a tiré pour tuer, il a visé leur tête. Le quartier de Ducos s'enflamme. Des témoins assurent avoir identifié le tireur propriétaire de la voiture volée. Sa maison est mise à sac et un arsenal de guerre y aurait été découvert. Dariwa, militant indépendantiste, tient à nous montrer ses douilles de gros calibre ramassées, dit-il, sur place. Donc c'est dangereux, ça tombe dans les mains des jeunes qui ne savent pas s'en servir, ils ne connaissent même pas c'est quoi les fusils. Excusez-moi, mais la violence, elle est de quel côté? Vous voyez ça, là? Vous voulez qu'on vive ensemble avec des gens qui... Non, il y a hors de question. Ces gens-là, ils n'ont pas leur place ici, dans ce pays. L'auteur présumé a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire ouverte pour homicide volontaire. Également dans l'actualité, nous vous en parlions en titre, cet adolescent de 15 ans entre la vie et la mort dans les Alpes-Maritimes, visé par des tirs hier soir à Grasse. Il a notamment été touché à la tête et deux suspects ont pris la fuite en scooter. Benoît Ruiz et Milan Argelas. Ce matin à Grasse, les habitants se lèvent encore sous le choc. Mohamed habite dans le quartier où se sont déroulés les faits et a vu le jeune garçon à terre. Il y a du sang à côté de la tête, c'est tout. Voir ça, t'imagines ton fils ou quelqu'un. Hein. S'il est jeune maintenant, c'est pas bien ça, qu'est-ce qu'il fait, hein. S'il y a quelque chose, normalement il parle, pas avec les pistolets. Hein. Dans le quartier des Fleurs, aux alentours de 22h, deux personnes à scooter tirent sur un adolescent de 15 ans. Il est touché à la tête et l'une des balles s'est logée dans sa bouche. Dans la foulée des coups de feu, les deux auteurs présumés de l'attaque prennent la fuite. Leur scooter est retrouvé incendié à 3 km de là. Eux sont toujours recherchés. Pour ce syndicat de police, c'est l'illustration d'un quartier souvent confronté à ces règlements de compte. La Cité des Fleurs est le lieu de deal, c'est évidemment connu de tous. Mais c'est extrêmement inquiétant et ça montre qu'il n'y a aucune limite en matière de trafic de stupes. On n'hésite pas à abattre la concurrence, à abattre des gens pour effrayer la concurrence ou pour s'emparer d'un territoire. Ça nous semble plutôt évident. Ce samedi, le pronostic vital du jeune garçon est toujours engagé. Il est hospitalisé au service réanimation du CHU de Nice. Alors je vous l'accorde, hein, c'est un peu dur à croire, mais l'été approche, hein, malgré les beaux jours qui se font largement attendre. Attention, si vous êtes en Bretagne et que vous êtes tenté par la baignade, une association estime qu'une plage sur 5 devrait être déconseillée à la baignade. Antoine Forestier, vous êtes dans le Finistère, vous êtes à Ploudalmézo, et ce sont des analyses bactériologiques qui remettent en cause la baignade. Oui, ce sont en fait des données publiques qui sont transmises aux autorités européennes que cette association de protection de l'environnement a étudiée et qui lui a permis de faire cette carte qui recense les 1854 plages de métropole et de Corse, dont celle-ci ici où nous nous trouvons à Ploudalmézo, qui a été classée comme une plage à éviter. Je suis aux côtés d'Arnaud Cluyéry, vous êtes directeur de cette association. On a une partie de la carte à vos côtés parce que là, c'est toutes les plages de Bretagne. Je crois qu'il y en a 566. Qu'est-ce que cette étude a donné? Qu'est-ce que ça dit sur les plages françaises? Alors d'abord, ça dit que 4 fois sur 5, en fait, on est en situation de se baigner dans des eaux de bonne qualité où il n'y a aucun risque à s'y baigner. Voilà, justement. Par contre, à l'inverse, ça dit aussi qu'il y a une information qui doit être mieux délivrée au baigneur qui consiste à lui faire connaître qu'une fois sur 5, finalement, il prend un risque de contamination par des bactéries quand il se baigne. Notre travail ici, c'est vraiment de se mettre en situation d'informer l'usager. Ce qui nous a marqué en voyant cette carte, c'est que parfois les pictogrammes, donc vert tout va bien, bleu encore mieux, recommandé, orange déconseillé à éviter, parfois d'une plage à l'autre, on peut peut-être aller le voir. Eh bien, c'est deux plages qui sont juste à côté. Il y en a une où on ne peut pas se baigner et une où l'eau est correcte. Oui, la Bretagne a cette particularité d'avoir un réseau de rivières très dense. Et en fait, la plupart de ces fleuves côtiers se jettent sur des plages. Et donc, d'une plage à l'autre, en fonction de la rivière qui se jette, eh bien, finalement, on peut avoir une différence assez importante puisque 80% de la pollution en général arrive de la terre. Et en ce qui concerne les bactéries, eh bien, c'est souvent le vecteur de cette transmission, c'est la rivière et c'est le petit ruisseau qui se jette à la plage. Alors ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous recommandez pour éviter d'avoir des plages où la baignade n'est pas bonne? D'abord, nous, on veut que le baigneur puisse être bien informé. Hein. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, on veut essayer de comprendre et se mettre en dynamique de recherche de solutions. Et pour ça, en fait, chaque cas est un cas particulier. Et on a l'habitude de dire qu'il s'agit
que de problèmes d'assainissement urbain ou de mauvais branchement. Et nous, on pense que là, il y a un point aveugle, c'est que ça n'est pas l'explication à chaque fois. Donc nous, on demande qu'il y ait vraiment une enquête, une mission parlementaire qui soit mise en place là-dessus. D'ailleurs, on a une pétition pour ça qui est en ligne sur le site labelleplage.fr pour que l'on puisse vraiment aller chercher à la source de la pollution. Parce qu'en Bretagne, on le sait aussi, il y a une forte pression d'épandage agricole et que les animaux des élevages, comme les êtres humains, produisent ces fameuses bactéries, Escherichia coli, et que parfois, il y a vraiment des enquêtes à mener très précises pour résorber le problème et rendre la baignade la plus sécurisante possible. Merci beaucoup. Vous avez donné le site internet. Ceux qui veulent se renseigner sur justement ces résultats peuvent y aller, labelleplage.fr, et se renseigner sur toutes les plages du littoral français. Et puis tout cet été, eh bien, des bénévoles de l'association feront la tournée de ces plages, notamment en Bretagne, pour sensibiliser le public, les usagers de ces plages, à ces dangers, puisqu'il peut y avoir donc des fortes présences de bactéries sur certaines plages, notamment en Bretagne. On l'a vu sur cette carte. Merci beaucoup Antoine Forestier, avec Dorine Jarnias, donc sur place en Bretagne. Manifestation à Paris cet après-midi contre ce que le gouvernement appelle le choc des savoirs, notamment via l'instauration de groupes de niveau. Vous voyez ces images aujourd'hui, groupes de niveau en maths et en français au collège dès la rentrée prochaine. D'abord pour les classes de 6e et 5e et à la rentrée 2025 également pour les 4e et 3e. Ouais, et à l'appel de 8 syndicats d'enseignants, le cortège est donc parti de la place de la Sorbonne, direction la place de la Bastille. Sophie Vénétité, bonjour, vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU et vous participez à cette manifestation. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme ? C'est une réforme qui va instaurer un tri social des élèves, qui va conduire à mettre d'un côté les bons élèves, de l'autre côté les mauvais élèves, et qui finalement va conduire à creuser les inégalités entre les élèves. Ça va aussi remettre en cause profondément ce qu'est notre métier. Nous, on n'a pas choisi ce métier-là pour trier nos élèves. On a choisi ce métier pour faire réussir tous nos élèves. C'est possible. C'est possible, par exemple, en diminuant les effectifs dans les classes, mais certainement pas en les triant, d'autant plus que des expériences ont déjà été menées qui ont montré que ce n'était pas une solution, ce n'était pas efficace. Et donc aujourd'hui, on est dans la rue, mais ça fait 5 mois qu'on est mobilisé contre le choc des savoirs. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de parents d'élèves. Ça montre que ce refus du choc des savoirs, il est très largement partagé. Ça veut dire que sur le constat, vous faites aussi le constat, vous, qu'il faut faire quelque chose pour améliorer le niveau des élèves. Mais c'est la méthode qui vous pose problème, c'est ça ? Oui, bien sûr qu'il faut faire quelque chose pour le niveau des élèves. On a quand même pour l'ambition de tirer nos élèves vers le haut, de tous les faire réussir, de les former au monde de demain. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué quand on est dans une classe. Il faut savoir que, par exemple, en collège, en lycée, on est sur des classes de 28, 30, 35 élèves. Comment est-ce qu'on peut s'occuper des élèves en difficulté dans ces conditions ? C'est très difficile. C'est pour ça que nous, on demande une diminution des effectifs dans les classes, par exemple des classes à 24 élèves, tout en gardant des élèves de différents niveaux, parce que ça permet aussi d'apprendre les uns des autres. Alors comment vous comptez diminuer les effectifs de classe si vous n'avez pas assez d'enseignants en face pour pouvoir accueillir ceux qui ne seront pas dans ces classes ? Oui, c'est vrai qu'on est toujours confronté à une grave crise de recrutement dans l'éducation nationale. On manque de profs. Maintenant, là aussi, on a la solution. Et Gabriel Attal et Nicole Belloubet seraient bien inspirés de nous écouter. On pense qu'en augmentant les salaires de tous les enseignants, en début, en milieu, en fin de carrière, en améliorant les conditions de travail, le métier sera plus attractif. Aujourd'hui, c'est ça qui manque dans notre métier. On sait qu'on n'est pas bien payé, que les conditions de travail sont difficiles. Si vous améliorez ces deux conditions-là, alors on pourra recruter davantage et alors on pourra faire des classes à plus petits effectifs et faire réussir tout le monde. Les enseignants et les parents sont main dans la main cet après-midi dans les rues de Paris. Il y a des parents qui sont présents également à vos côtés ? Oui, il y a beaucoup de parents d'élèves. La FCPE a appelé à la mobilisation avec nous, mais on voit même des parents d'élèves qui viennent de leur collège, de leur école, de leur lycée. C'est frappant de voir à quel point, dès qu'on prend le temps de discuter avec les parents d'élèves de l'avenir de l'école, parce qu'il s'agit bien de ça en fait, il s'agit de l'avenir de l'école de demain, et bien les parents sont très réceptifs, parce qu'ils voient bien eux, que leurs enfants sont dans des classes surchargées, ils voient bien que les professeurs ne sont pas remplacés, que les conditions ne sont pas réunies pour faire réussir leurs enfants. Donc dès qu'on discute un peu, et on a fait beaucoup de réunions publiques avec eux, ils nous rejoignent. Et aujourd'hui, c'est la preuve, ils sont très nombreux avec nous dans la rue.
Merci beaucoup, Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES FSU. Vous participez à cette manifestation donc, qui va rejoindre la place de la Bastille cet après-midi. Dans l'actualité, cette nouvelle grève des contrôleurs aériens à l'aéroport d'Orly ce week-end. Alors, malgré les accords qui ont été conclus la semaine dernière, eux aussi dénoncent des effectifs sous-représentés. En conséquence, eh bien, la DGAC a annulé 7 vols sur 10 dans l'aéroport parisien ce samedi et demain. De nombreux passagers, vous allez le voir, n'ont découvert la situation qu'une fois à l'aéroport et ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Nous sommes arrivés à 6 heures du matin. On nous indique qu'il n'y a pas de vol pour Rhodes et puis il n'y a pas de solution. On appelle tel numéro, on appelle Transavia. Et puis, bon, il n'y a pas de solution. Donc on est là, on attend, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Il y a beaucoup de monde comme nous. Voilà. Globalement, on vous dit un petit peu de vous débrouiller. Donc vous trouvez une solution annexe pour pouvoir partir. Là, on repart, mais pour Roissy, voilà, pour pouvoir espérer partir en vacances. La politique à 2 semaines des européennes, Marine Le Pen était en déplacement dans le Pas-de-Calais ce matin avec des manifestants qui ont exprimé leur opposition à sa venue. Sophie Dupont a suivi ce déplacement pour BFM TV avec Célia Vallée. Marine Le Pen sera restée sur place 1h30. L'objectif du jour, me confiait un stratège à la campagne, c'était justement de battre le rappel dans les zones de force du Rassemblement national à 15 jours du scrutin. Et c'est pour ça que cette commune avait été choisie ce matin, car l'hiver, Marine Le Pen est censée y être comme chez elle. Elle est arrivée ici en tête au premier et au second tour de la présidentielle en 2022. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La déambulation n'a pas été si paisible que ça, parce que plusieurs dizaines de manifestants étaient présents avant Marine Le Pen. Des manifestants apolitiques, mais aussi des militants de la France insoumise qui tractaient avec le tract de leur candidate Manon Brice, qui a donné lieu à des échanges virulents entre militants du Rassemblement national et manifestants anti-Rassemblement national. Les militants du RN se sont emparés des tracts et des pancartes pour les jeter au sol. Marine Le Pen est arrivée avec un peu de retard, mais sans rien laisser paraître face à cette présence de manifestants. Elle a réagi au micro de BFM TV. Écoutez. Ici, je crois qu'on a fait 65%. C'est vrai, on ne fait pas 100%. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne fait que 65%. Donc il doit y avoir quelques opposants. On n'est pas obligé d'être opposant et antidémocrate. Parce qu'après tout, on peut s'opposer et ne pas empêcher une responsable politique de venir échanger avec la population. Donc il pourrait peut-être prendre 2-3 cours de démocratie. Marine Le Pen qui minimise donc cet accueil qui lui a été réservé, mais qui a quand même dû à un moment contourner le chemin qui était initialement prévu pour éviter les manifestants qui étaient quand même présents tout au long du parcours. La patronne des députés du RN a, pour contrebalancer, multiplié les sourires et les selfies avec les nombreux militants qui étaient présents pour venir la saluer, car c'était là la mission première de la triple candidate à la présidentielle, c'était de mobiliser son électorat à 15 jours du scrutin, car c'est ça la crainte en coulisses qui agite l'état-major du RN, c'est d'avoir un électorat démobilisé face au sondage flanteur dont bénéficie actuellement Jordan Bardella. Et dans 2 semaines, n'oubliez pas, le 9 juin, ce sont les européennes. Ne manquez donc pas notre grand débat européenne 2024 qui aura lieu lundi soir sur BFM TV. Apolline de Malherbe et Maxime Switek recevront les 8 principales têtes de liste du scrutin de ce 9 juin. Rendez-vous donc lundi à 20h30. On parle sport et foot à présent. La finale de la Coupe de France, c'est ce soir. Le PSG face à Lyon, dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs du club parisien. Et pour la première fois de l'histoire, elle n'aura pas lieu en région parisienne, mais au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Un dernier rendez-vous de la saison classé à très haut risque. Antoine Sabardin avec Valentin Jamin et Julien Richard. Le calme avant la tempête. Hier, aux abords du stade Pierre-Mauroy, le dispositif de sécurité n'était pas encore en place. Et si cette finale de la Coupe de France est classée à très haut risque, les autorités l'assurent, tout va bien se passer. Le maximum a été fait par la préfecture et par toutes les autorités du Nord pour que cette finale se passe dans les meilleures conditions. Pour les forces de l'ordre, ce n'est pas l'intérieur du stade qui pose problème, mais les alentours, objectifs, éviter tout débordement, comme lors de la tristement finale de Ligue des Champions organisée au Stade de France il y a 2 ans. On crée ce qu'on appelle des bulles autour du stade qui permettront pas à des gens, en tout cas sans ticket, de pouvoir accéder immédiatement aux alentours du stade et pouvoir nuire à la sécurité. Alors, pour organiser ces bulles, les supporters lyonnais sont invités à stationner sur une aire d'autoroute à environ 1 heure du stade. Pour les Parisiens, ce sera à hauteur de la barrière de péage de Fresnes-lès-Montauban. Mais en plus, des 30 000 supporters des deux équipes attendues.
un autre événement inquiète les organisateurs. La finale de Coupe Gambardella entre Nancy et l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille, les jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille vont donc évoluer devant les supporters lyonnais et parisiens qui seront en train de s'installer dans le stade Pierre Mauroy. C'est pour cette raison que le dispositif de policiers et de gendarmerie sera un petit peu rehaussé par rapport à la normale. Pour éviter tout affrontement, des mesures préventives ont donc été prises. Aucun maillot du PSG ou de Lyon ne sera par exemple autorisé en dehors des zones réservées aux supporters. Vous connaissez probablement une rue de l'Église dans votre entourage, mais qui n'est pas vraiment le nom de cette rue. Eh bien, à partir du 1er juin, c'est fini, ces rues sans nom, hein, du fait de la loi 3DS. On va voir comment ça va fonctionner avec Flora Monbec et Alexis Vivier. Des boîtes aux lettres vierges et des adresses incomplètes, voire inexistantes. Dans cette commune de 2200 habitants, toutes les rues auront bientôt des noms et des numéros. Cet homme vient d'emménager dans sa nouvelle maison sans adresse. Ça pose problème pour les démarches, donc notamment pour recevoir du courrier. Donc on n'a pas de numéro pour pouvoir recevoir nos documents officiels. On a vendu notre autre maison, donc là, d'ici à ce que les documents nous parviennent du notaire, bah, on n'a pas d'adresse, donc ça peut arriver ailleurs ou ne pas venir. Sans coordonnées GPS précises, il ne peut pas non plus avoir accès à la fibre. Il doit pourtant télétravailler. Comme il n'y a pas d'adressage, c'est un peu difficile de trouver un opérateur qui veuille bien nous raccorder. Des situations qui se multiplient aux oreilles du maire. Dans le village, deux lieux-dits portent le même nom. La maison qui fait partie de ce lieu-dit aura un numéro bien identifié avec un point GPS qui permettra aux secours de pouvoir intervenir très rapidement et de façon précise. Pour cela, l'adressage sera déterminé selon un protocole bien défini. Le numéro va correspondre entre l'intersection ici, si je prends cette voie, et le nombre de mètres où la maison va se situer. Début juin, les habitants concernés recevront leur nouvelle plaque avec leur nouvelle adresse. Allez, tout de suite un coup d'œil sur la météo. La météo avec Atlante, Méditerranée, Antilles, Seychelles, du soleil toute l'année avec le leader des croisières en catamaran tout inclus. Quelle que soit la météo, ce sera avec le magret de canard. Le magret de canard, facile à faire, facile à plaire. Rêvez de votre prochaine destination en regardant la météo avec Samsonite Proxys, légère et résistante. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? Voici la météo avec Indeed. Indeed, pour trouver l'emploi que vous méritez. C'est enfin le réveil du printemps, ici à Bayonne, notamment retour d'un temps où on ne peut plus ensoleillé. Ce samedi, très belles éclaircies, un soleil légèrement voilé et un temps de plus en plus lourd pour la capitale du labour. 27-28 degrés localement et pour ce dimanche, là, ça va légèrement baisser. Les nuages surtout vont se multiplier. Quelques pluies ont circulé cette nuit avec ce front qui est en avance d'ailleurs. Il a déjà abordé la Bretagne, la Vendée. Les pluies sont assez régulières et progressivement, elles vont s'enfoncer vers l'intérieur des terres. Elles vont circuler sur les régions du nord-ouest cette nuit. On va les retrouver ce dimanche en matinée du nord de la Seine en descendant vers l'Aquitaine. Quelques ondées seulement dans l'après-midi. Ça va tourner à l'orage dans le Grand Est, dans le Massif central. Des pluies parfois soutenues. Le soleil devrait bien résister tout de même des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Et à l'arrière, on va retrouver des éclaircies. Dans le nord-ouest, quelques éclairs également de la Bretagne en remontant vers la Belgique. Température déjà très élevée le matin à Paris. Déjà 16 degrés pour débuter la journée. Dans l'après-midi, ça va baisser à l'ouest. Ça reste très chaud en allant vers l'est, 27 notamment à Montélimar ou à Grenoble, 22 à Paris et seulement 16 degrés à Brest après la pluie. C'était la météo avec Catlante, leader des croisières en catamaran tout inclus. Choisissez vos vacances sur catlante.com. C'était la météo avec le magret de canard. Le magret de canard, facile à faire, facile à plaire. C'était la météo avec Samsonite Proxys. Légère et résistante. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? C'était la météo avec Indeed. Indeed, changeons le monde du travail. Restez avec nous dans notre journal de 15 heures. Nous reviendrons sur cette actualité à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Cet adolescent de 15 ans qui est entre la vie et la mort, touché par balle à la tête dans un quartier de la ville, gangréné par le trafic de drogue. À tout de suite. We got.
les perspectives avec les SUV Volkswagen. Et en ce moment, profitez du T-Roc à partir de 149€ par mois. Volkswagen. Pas mal. Sympa. Oh, et lui ? Ouais. Ah bah par contre, lui. Ok, j'avoue. Et oui, c'est bien sur l'appli FDJ que l'on peut choisir parmi plus de 70 jeux des 10 centimes. Il y a lui aussi. Découvrez Play in Color en exclu sur l'appli FDJ. Avec le nouveau service optionnel de vérification de l'article sur Vinted, l'authenticité des pièces des créateurs est vérifiée par nos experts afin que les vendeurs et les acheteurs aient l'esprit tranquille. Vendez du luxe sur Vinted. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Avec AGIP, vous êtes assuré et associé. AGIP, AGIP.com. J'ai vu un 44 tonnes accrocher et frotter les glissières avant de percuter le fourgon de plein fouet. Le véhicule qui part en tête à queue, qui vient me balayer comme un flipper. Deux corps projetés en l'air, comme des pantins. Il a été emmené par la violence du choc. Je me dis, on était deux. Où est-ce qu'il est, mon collègue? Où est-ce qu'il est? Je commence à te chercher, je le vois pas. J'ai compris que, malheureusement pour lui, c'était fini. Et ensuite, je suis tombé sur le corps de Bruno. Il était allongé sur le talus, avec la jambe coupée. On vient travailler pour rendre service à l'usager, et ça finit comme ça. Au pire, 3 mètres sous terre. Fais pas ce métier pour être tué ou être mis en danger. Intervention en cours, je ralentis, je m'écarte, j'évite le pire. C'est vraiment la nouvelle Opel Corsa électrique ? Yes, of course. Elle est cool à conduire ? Yes. Canon. Même au ralenti. Yes. Elle a les phares Intellilux LED. Yes. Sérieux? Yes. Of course. Nouvelle Corsa S Edition, hybride ou électrique, disponible dès 109€ par mois. Quand on gère une entreprise, on a beaucoup, beaucoup à faire. Et tout ce qu'on aimerait dire, c'est fait. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut pour piloter vos finances. Accélérer la compta, c'est fait. Valider les notes de frais, c'est fait. Payer, facturer, gérer les dépenses de vos équipes, oui, oui, tout ça aussi, c'est fait. Conto, le compte pro qu'il vous faut. Conto, et c'est fait. Moi, j'ai facilement obtenu un prêt pour ma maison. Et nous, on a économisé 17 268 euros sur notre assurance de prêt. Moi, 13 860 euros sur mon crédit immobilier. Aujourd'hui, Meilleur Taux accompagne plus d'un Français sur deux avec un projet immobilier. Reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. J'ai une idée. Qu'est-ce que j'ai ? Free Pro a son forfait mobile. Nous, on va lancer le forfait Reef stagiaire. Parce qu'entre nous, si tu regardes dans les boîtes, il y a beaucoup, beaucoup de stagiaires. Rassure-moi, c'est un stagiaire qui a eu cette idée. Un jour, peut-être, Reef fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises avec Free Pro. Merci, Free Pro. Pour que les Jeux de Paris 2024 brillent dans toutes les régions, Caisse d'épargne est parrain officiel du relais de la flamme olympique. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Le tout nouvel aspirateur avec système de vidange automatique Shark Detect Pro. Le balai sans fil Shark le plus intelligent à ce jour. Le nouvel aspirateur Shark détecte le type de sol, la saleté cachée, détecte les bords et double la puissance d'aspiration. Se vide même automatiquement. Le Shark Detect Pro nettoie plus intelligemment. Et c'était 30%, t'as fait combien ça ? 35. Ah, trop bien. Ouais, pas mal, et moi j'ai fait combien ?
44% en heure creuse. Ah ouais, eh ouais, c'est pas à Versailles ici. C'est pas votre père là-bas. Non, non. 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 Non, mais je t'ai dit que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Avec l'appli Total Energy, suivez votre consommation en heure creuse. Et pour nos 100 ans, 100 euros offerts en souscrivant une offre d'électricité. Il est bientôt 15h. Nouvelle Delonghi Rivelia. Changez de café en grains selon vos envies. Perfetto. Bientôt 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV dans l'après-midi info à la une de l'actualité. À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort. Il a été touché par balle à la tête, son pronostic vital est engagé. Les deux auteurs présumés sont en fuite. Nous serons sur place dans un instant avec Benoît Ruiz. Regain de tension en Nouvelle-Calédonie avec cet incendie dans le quartier de Caméré. Une trentaine d'habitants ont dû être évacués par voie maritime, par le GIGN. Et pour plus de 500 touristes, en revanche, les évacuations ont enfin commencé. Tous les détails dans ce journal. Le ministre de la Santé veut l'interdire au plus vite. Le Sniffy, une poudre blanche qui s'inhale par le nez, elle est vendue depuis quelques jours sur Internet et dans certains bureaux de tabac. Produit qui déclenche de vives réactions à cause de sa similitude avec la cocaïne. Et puis, manifestation est en cours, manifestation d'enseignants contre le choc des savoirs promis par le gouvernement. Des manifestants qui défilent dans l'après-midi entre la Sorbonne et la Bastille à Paris pour dénoncer notamment la mise en place de groupes de niveau au collège dès la rentrée prochaine. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Le jeune homme a été touché par balle à la tête. Son pronostic vital est engagé. Les deux auteurs présumés sont en fuite. Benoît Ruiz est sur place pour BFM TV. Exactement, activement recherché par tous les services de police. Ils ont utilisé un scooter qui se trouve ici, entièrement calciné, aux alentours de 22h. Ces deux hommes sont arrivés devant le quartier des Fleurs à Grasse et ils ont tiré plusieurs fois en direction d'un adolescent de 15 ans. Ils l'ont touché une fois à la tête, dans le visage, du 9 mm. Évidemment, dans le quartier, c'est une grande émotion. On a pu notamment voir le père de la victime qui était, vous l'imaginez, dans un état de crise avancée. Il a d'ailleurs souhaité mettre fin à ses jours. Il a fallu que les policiers interviennent. Bref, une scène tragique. Alors forcément, on a demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient. Je vous propose d'écouter Mohamed. Il était sur place hier soir. Il est au micro de Christopher Lhomme. Non, je vais partir. Je n'ai pas vu comment tirer. Je ne dis pas les choses, je n'ai pas vu. Partir. Il y a du sang à côté de la tête, c'est tout. C'est pas bon. Tu vois ça, t'imagines ton fils ou quelqu'un. Hein. C'est les jeunes maintenant, c'est pas bien ça, qu'est-ce qu'il fait. Hein. S'il y a quelque chose, normalement, il parle pas avec les pistolets. Hein. Ça vous inquiète, cette violence? Je perds pour mes enfants aussi. Hein. Bon, mes enfants, bien, ils sortent pas, ils ne font pas des choses, mais je m'inquiète un peu aussi. Hein. J'ai mal au cœur, hein, la vérité. Les habitants, jamais un tel niveau de violence n'avait été atteint au quartier des Fleurs. Quartier qui a des problèmes, hein, il faut le dire. Problèmes de trafic de drogue, incivilité, enfin tout ce qu'on peut un peu retrouver malheureusement dans certains quartiers en France. Et donc hier, voilà, cette tentative de meurtre sur un adolescent qui semble avoir encore franchi un palier dans la violence. Ici, à Grasse, dans une ville finalement moyenne, donc voilà, qui n'est pas épargnée aujourd'hui par cette violence. Et ce quartier des Fleurs à Grasse est un secteur qui est gangréné par le trafic de stupéfiants depuis plusieurs années déjà, comme nous l'a confirmé Bruno Bartosetti. Ça dure depuis de très très nombreuses années. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on avait démantelé un réseau de stupéfiants dans ce quartier. Et vous voyez que voilà, c'est revenu. Ça démontre surtout que quand on parle de tirs, de règlement de compte, de victimes, on parle souvent de Marseille, on parle beaucoup d'Avignon et de Nîmes, mais on sent et on sait, ça a été résumé dans le reportage, qu'aucune ville n'est épargnée. Alors on parle aujourd'hui de ce quartier qui est sensible, même s'il n'y a pas la violence qu'on connaît dans Marseille, eh bien on parle de ce quartier, mais en fait, comme beaucoup de quartiers de grandes et moyennes villes d'importance, on a des trafics de stupéfiants. Pour ce jeune, l'enquête va déterminer les raisons pour lesquelles il a été ciblé.
Est-ce qu'il n'a pas honoré une dette? Est-ce qu'il est sorti de certaines règles de ce milieu? Bon, l'enquête va pouvoir le déterminer. Et ce qui est à retenir également, si vous le permettez, c'est que voilà, on a ciblé cette personne, ce jeune homme de 15 ans qui est entre la vie et la mort, mais il y a eu des tirs également qui auraient pu toucher d'autres personnes, des victimes innocentes, collatérales. Et voilà où on en est aujourd'hui. Tout le monde est dans la terreur, dans la frayeur, à partir du moment où il y a un trafic de stupéfiants dans le quartier. Grasse, c'est une ville de 50 000 habitants, une ville moyenne, c'est-à-dire que donc, les villes moyennes aussi sont touchées par cette violence. Comment vous expliquez cette violence à Grasse ? J'explique d'abord les réseaux de stupéfiants. Si vous me prenez une ville de 50 000 habitants au hasard dans la zone sud, je vous confirmerai qu'il y a du trafic de stupéfiants. Aucune ville n'est épargnée. Après, lorsqu'on parle de violence, aujourd'hui c'est à Grasse, demain on peut retrouver ceci. Vous savez, vous allez dans le Vaucluse, vous avez une ville comme Cavaillon, c'est encore plus petit et il y a eu des règlements de compte. Vous allez une petite ville de Bagnols-sur-Cèze entre Avignon et Nîmes, c'est très très sensible, il y a 18 000 habitants. Voilà, donc je peux vous prendre beaucoup d'exemples comme ça. Grasse, là, fait parler d'elle, enfin cette ville fait parler d'elle parce qu'il y a un règlement de compte, parce qu'un jeune de 15 ans s'est fait tuer, mais ça peut arriver ce soir, demain, n'importe où dans la zone sud et d'autres zones, bien sûr, de la France, parce que c'est la France qui est malade, hein, c'est pas que la zone sud. Il y a deux constats à Grasse, donc il y a ce trafic de drogue et puis il y a cette violence entre jeunes avec la mort donc de cet adolescent de 15 ans. Est-ce que vous constatez également une délinquance des mineurs de plus en plus présente ? Ah oui, oui, vous savez, dans le milieu mafieux des années 80, lorsqu'on parlait de parrain de la drogue ou de lieutenant de la drogue, on disait l'espérance de vie de mafieux, c'est 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, la moyenne, c'est 27 ans. Et donc, dans cette moyenne, vous avez des jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont touchés. Et quand on a un jeune de 15 ans qui meurt comme ça, qui est entre la vie et la mort, comme ça, dans une tentative de règlement de compte, eh bien, on peut imaginer que ce garçon a commencé certainement à guetter, à travailler pour ses réseaux à l'âge de 12 ou 13 ans. Et puis, vous savez, nous sommes dans un étau. Quand je parle d'étau, c'est que ce jeune de 15 ans est peut-être aussi victime, quelque part, entre guillemets, de ce qui se passe, c'est-à-dire ils sont pris de parfois de force, comme dans les réseaux de stupéfiants, de prostitution, pardon. Et donc vous avez le même schéma, et ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus vulnérables, et dès qu'ils dérangent, dès qu'ils ne sont pas dans les clous, entre guillemets, eh bien on leur tire dessus, on les élimine, on les écarte du marché, parce qu'il y en a d'autres qui sont derrière et qui vont pouvoir faire l'affaire, on va dire. L'attention ne retombe pas ce samedi en Nouvelle-Calédonie. Hier, c'est un homme de 48 ans qui a trouvé la mort sur un barrage, portant donc à 7 le nombre de victimes de ces émeutes. Et 35 personnes ont dû être évacuées par la mer après l'incendie d'une maison dans leur quartier. Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et Domiti Berthaud. Une nuit de l'horreur pour ces habitants du nord de Caméré, au nord justement de Ducos, dans les quartiers sensibles. Une maison qui a pris feu, une résidence qui a pris feu et la trentaine d'habitants, dont 11 mineurs, eh bien, ont dû être évacués, sauf qu'on est en couvre-feu avec des barrages un peu partout. Ils ont été exfiltrés effectivement par la mer, par voie maritime, aidés dans un second temps. Ils ont d'abord dû s'organiser tout seuls et puis aidés dans un second temps par le GIGN qui les a exfiltrés par voie maritime avant de les mettre en sécurité, notamment pour certains qui ont pu être pris en charge dans un lycée. Et c'est vrai que c'est un peu la tension générale ici, des nuits avec un peu moins d'incidents, un peu moins de violence qu'au début des émeutes, mais toujours énormément de tensions. Coincés en raison des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les premiers Français de métropole ont pu commencer à décoller ce samedi à bord d'appareils militaires. On voit ça avec Guillaume Lavial, Clémence Dibou et Domiti Berthaud. Ce matin, le rendez-vous a été donné à l'aérodrome du centre-ville de Nouméa. Sous la surveillance de l'armée, ces touristes, bloqués depuis le début des tensions, bénéficient d'un pont aérien en direction de l'aéroport international de la Tontouta. Jacques et Marie-Noël étaient venus rendre visite à leurs filles et leurs petits-enfants. Le Haut Commissariat a organisé des rapatriements, donc voilà, on est sur les listes et c'est une bonne chose. Les vols commerciaux étant toujours suspendus, ces touristes français, mais aussi étrangers, pourront rallier l'Australie ou la Nouvelle-Zélande à bord d'avions militaires néo-zélandais ou australiens comme celui-ci. Mais malgré ce départ espéré, difficile de ne pas rester inquiet pour leurs proches. Effectivement, les laisser et nous partir, je ne vais pas vous dire que je suis heureuse de les laisser. Non, ça sûrement pas. Car même si la nuit dernière a été globalement plus calme,
certaines zones ont été particulièrement visées par les émeutiers. C'est le cas du quartier Caméré au nord-ouest de Nouméa, où des maisons ont été incendiées. Le GIGN a dû intervenir et évacuer 35 habitants, dont 7 enfants. Donc ils ont dû être exfiltrés, laisser leur maison. Ce sont des familles, ce sont des couples avec des enfants. Et ils ont été escortés jusqu'à la mer, où là, on a pu effectivement les embarquer. Aujourd'hui, les gendarmes étaient encore en intervention à Caméré pour faire face aux émeutiers. Dans l'actualité à 15h09, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vos ados l'ont peut-être vu sur TikTok. Sniffy, cette poudre blanche qui s'inhale par le nez et qui promet un effet énergisant, est vendue depuis quelques jours sur Internet et dans certains bureaux de tabac. Une poudre qui a le même aspect et la même méthode d'inhalation que la cocaïne, ce qui fait la polémique. Les explications de Julie Rosaire et Hortense Gérard. Dans la rue, peu de gens connaissent le Sniffy. Ça m'inspire des trucs pas nets. C'est-à-dire la cocaïne. De me dire que c'est à la vente libre, c'est assez choquant, oui. Ça ressemble un peu à ce que tu mets dans des boissons énergisantes. Ouais, ça me choque, en vrai. Mis sur le marché français la semaine dernière, ce produit est pourtant déjà pris d'assaut chez les premiers revendeurs. Dans ce magasin de CBD, le stock s'est épuisé très rapidement. Dévalisé de ces trois derniers jours. Je pense que c'est pareil partout. Okay. Mon collègue est pareil dans une boutique, a été dévalisé aussi. Cette poudre énergisante contient de la taurine, de la créatine ou encore de la caféine. Rien de nocif a priori, mais c'est la méthode de consommation qui choque, tant elle rappelle celle de la cocaïne. Ce commerçant a décidé de ne pas mettre ce produit en avant. On verra de la cocaïne, la paillette offerte, c'est une prise par le nez, une assimilation qui est très bizarre, et surtout les goûts qu'il y a, enfin voilà, c'est pour attirer les enfants, j'ai l'impression. Pour le docteur Basset, spécialiste en addiction, ce produit devrait être interdit à la vente, tout comme les cigarettes en chocolat. Ce qui est scandaleux, c'est de promouvoir un univers de consommation de cocaïne de manière indirecte et de surfer sur ça à des raisons commerciales. Interdit aux moins de 18 ans, le fabricant déconseille ce produit aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques. Le gramme de poudre coûte environ 15 euros. Et pour le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, c'est une cochonnerie. Il souhaite interdire cette poudre Sniffy. J'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention, et je mets des gros guillemets, bien sûr, c'était cette cochonnerie que certains veulent vendre. Je vais voir, effectivement, dans les prochains jours, comment on peut interdire ce type de choses. Vous voulez l'interdire, déjà battu en tout cas, parce que certains professionnels de santé appellent à l'interdire dès ce week-end. Il faut l'interdire dès qu'on peut. Je vais regarder ça très vite avec les services, dès ce week-end, et dès qu'on peut, je vous promets que je serai là-dessus intraitable. Le Sniffy qui fait polémique donc par son mode d'administration qui rappelle celui de la cocaïne, est-ce que c'est une incitation à consommer de la cocaïne? La réponse d'Amine Benyamina, addictologue et président de la Fédération française d'addictologie. Ce n'est pas le fait du hasard si cet industriel a utilisé ce mode de présentation. Il aurait pu parfaitement vendre, entre guillemets, un produit énergisant comme le font la concurrence sous forme de liquide ou je ne sais, sous forme de tablette ou de... ou tout ce que l'on peut. Le fait de le présenter sous forme de poudre avec une paille n'est pas le fait du hasard, il le sait parfaitement. Disons qu'au pire, il aura une polémique, une publicité que nous sommes en train de lui faire, et au mieux une curiosité avec un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes dupes qui vont essayer de consommer en ayant le sentiment d'être dans la transgression avec un produit qui n'est pas interdit. On est vraiment dans quelque chose d'absolument cynique et dangereux sur la symbolique qui est véhiculée. Vous le dites, c'est sur la symbolique que ça dérange par ce mode d'administration, parce que ce produit, vous nous le confirmez, il n'est pas toxique. Alors on a entendu, il contient de l'arginine, de la créatinine, de la caféine, de la taurine, de la maltodextrine, tout ça, c'est inoffensif? Alors ce n'est pas inoffensif, et je ne l'ai pas analysé, et ce n'est pas un produit qui est passé par le filtre que par exemple passent les médicaments. Il n'y a pas d'agence qui a certifié. Et c'est d'autant plus gênant que, de ce que j'ai lu, hein, vous l'avez bien montré dans votre document, il est spécifié de ne pas dépasser, en gros, une dose d'une certaine manière prescrite. C'est d'autant plus dangereux que d'avoir ce type de produit qui est à la vente libre et pour lequel on a ce type d'information. On est vraiment dans quelque chose qui est triplement grave, d'ailleurs, sur la symbolique, sur le contenu, parce que les produits énergisants, on en a dit beaucoup, ils ont fini par s'imposer dans le commerce. Et en même temps, ce type de produit qui mime d'une certaine manière l'environnement d'un produit, ce n'est pas de l'alcool et du tabac qui sont encadrés, ce sont des produits interdits. Illégaux, la cocaïne est illégale, parce que c'est la symbolique de la cocaïne qui est vendue là-dedans. Et si on laisse passer ce type de produit, on ouvre la porte à un commerce
opportuniste à la veille des Jeux Olympiques, dont on sait que se préparent autant les trafiquants que les sportifs. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ah, professeur, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, veut interdire ce produit. Il faut interdire le Sniffy. Je l'ai dit sur votre plateau hier. J'ai dit, je voudrais et j'appelle solennellement, en tant que président de la Fédération française d'addictologie, les autorités compétentes à interdire dès ce week-end ce produit. Il ne faut pas laisser s'installer un débat qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens. On m'a opposé une certaine forme de morale. Écoutez, non, la science analyse à la fois le contenu addictif ou le contenu appétitif des produits, mais aussi sur le plan psychologique, il y a un environnement qui fait qu'on projette un aspect positif lorsqu'on a ce type de dispositif. Ce n'est pas de la morale, c'est de la science. Et si ça reste de la morale dans l'esprit des uns et des autres, eh bien écoutez, j'assume que parfois la science a besoin de morale pour pouvoir bien frapper les esprits en matière de santé publique. Environ 500 personnes ont rendu un dernier hommage à Arnaud Garcia, l'un des agents pénitentiaires tués dans l'attaque du fourgon le 14 mai dernier dans l'Eure. Ses obsèques ont eu lieu ce matin dans son village de Blangy-le-Château dans le Calvados. Les précisions sur place d'Anne-Sophie Varmont. C'est un hommage plein d'émotions qui a eu lieu aujourd'hui. Alors il y a d'abord eu l'arrivée du cortège sur le champ des partisans. En tête de cortège, il y avait la compagne d'Arnaud Garcia, Marie, enceinte de 5 mois. Il y avait ensuite son papa, Dominique, qui était là. Et puis ensuite, il y avait ses amis, ses collègues qui étaient présents. Il y avait également énormément d'habitants de Blangy-le-Château qui étaient présents, car le maire de la ville l'a dit, c'est un héros qu'ils ont perdu, un héros pour la ville, mais aussi un héros pour la nation. Je vous laisse écouter quelques témoignages d'habitants au micro de Laurine Velay. Vraiment, c'était beau. C'était, il méritait hein, pour son épouse, ses parents. J'étais prêt pour venir, puis ouais, t'as pas de regret. Il rend hommage. Ne pas oublier, j'en suis dégoûté de ce gouvernement, j'en suis dégoûté. Moi je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens pour ces gars-là. Les habitants, vous l'avez entendu, étaient partagés d'un côté entre l'émotion, le deuil de la perte d'Arnaud, une perte qu'ils ont qualifiée d'injuste, et aussi d'un autre côté la colère d'avoir perdu ce jeune homme de 34 ans dans ces conditions-là. Et tous nous disaient qu'ils ne voulaient pas que cette perte soit inutile, qu'ils voulaient des moyens supplémentaires et surtout qu'ils voulaient qu'Arnaud ne soit jamais oublié. On en vient à présent à cette réforme du collège avec cette nouvelle mobilisation aujourd'hui en France contre le choc des savoirs à l'appel de 8 syndicats d'enseignants. À Paris, le cortège est parti de la Sorbonne en direction de la place de la Bastille. Il s'oppose, ces enseignants, à cette réforme qui prévoit notamment l'instauration de groupes de niveau en français et en mathématiques au collège dès la rentrée prochaine. Écoutez, ces professeurs mobilisés cet après-midi. Le choc des savoirs, c'est une volonté de trier les élèves, d'en mettre certains de côté, de renoncer à l'objectif de démocratisation de l'éducation. On a le barrage à la fin de la troisième avec le brevet. On a les groupes de besoins, mais qui sont en réalité aussi toujours des groupes de niveau. On a donc tout un ensemble de mesures qui fragilisent l'éducation. Tout le monde constate à quel point nous sommes maltraités en termes de conditions de travail, et pour autant on doit faire face et nos collègues tiennent bon parce que tout le monde a besoin d'une école publique laïque qui soit forte. On en vient à présent à cette nouvelle grève des contrôleurs aériens à l'aéroport d'Orly ce week-end. Malgré des accords conclus la semaine dernière, ils dénoncent des équipes en sous-effectif et conséquence, eh bien, la DGAC annule 7 vols sur 10 dans l'aéroport parisien aujourd'hui et demain. Du foot à présent avec la finale de la Coupe de France qui aura lieu ce soir entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. À 21h, ce sera au stade Pierre-Mauroy près de Lille. On retrouve sur place Jean Rességuier. Un match placé à haut risque et qui sera aussi, il faut le rappeler, le dernier match sous les couleurs du PSG pour Kylian Mbappé. Oui, c'est la fin d'une histoire. Une histoire qui aura duré 7 ans entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Arrivé tout jeune de Monaco, il a tout simplement eh bien, participé à l'écriture de l'histoire de ce club avec 15 titres remportés sur ces 7 dernières années. Et peut-être un 16e ce soir, personnellement, en cas de victoire face à Lyon. Ici, vous l'avez dit, à Lille pour la finale de la Coupe de France. C'est quelqu'un qui aura participé à près de 400 matchs avec Paris 300.
97 pour être précis, avant la finale de ce soir, 256 buts, 108 passes décisives, autant vous dire qu'il aura compté dans l'histoire des performances du Paris Saint-Germain. Mais cette dernière saison aura été aussi compliquée, on se rappelle l'été dernier où il avait été mis à l'écart parce qu'il n'avait pas voulu prolonger, et puis en février dernier quand il a annoncé son départ aux dirigeants à la fin de la saison, il a été moins considéré par son entraîneur, ce qui explique un petit peu aussi la position des supporters assez partagée par rapport à Kylian Mbappé. La volonté en tout cas de le voir ce soir, pourquoi pas avec le capitaine Marquinhos, soulever le trophée, une façon de quitter la tête haute le club parisien, lui qui n'a plus disputé la moindre des rencontres depuis maintenant 180 minutes puisqu'il avait été mis de côté comme Dembélé lors des deux dernières rencontres du championnat de Ligue 1. Dans quel état d'esprit sera-t-il, dans quelle fraîcheur physique sera-t-il également ce soir pour aborder cette rencontre, en tout cas à l'approche du rassemblement de l'équipe de France. Il est évident que pour Kylian Mbappé cette finale est importante dans une compétition où il a toujours brillé, 37 matchs, 30 buts marqués. Kylian Mbappé très certainement ce soir aura envie, aura à cœur de soulever ce trophée pour faire plaisir aux supporters parisiens et pour aussi quitter tout simplement la France la tête haute. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous retournerons en Nouvelle-Calédonie où la situation ne s'arrange pas. Nouveau regain de tension ce samedi. Il y a eu un incendie dans le quartier de Caméré avec l'évacuation d'habitants. Et également, il y a les premiers retours de ces métropolitains qui ont été donc évacués par avion militaire ce samedi.